Yo les gens, c'est Sunshot Gamer. J'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je sais très bien que je ne fais pas assez souvent de vidéos. Écoutez, j'ai pas le time. Entre le collège, des activités personnelles, tout ce genre de délire. Donc si vous voulez que je fasse un maximum de vidéos le plus souvent, abonnez-vous, likez, mettez la cloche. Ok, bon, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui date un peu, on va se mytho. C'est 60 secondes. Alors, ce jeu, je le connais pas. Je vais un peu le découvrir. Alors, j'ai regardé quelques vidéos dessus. Donc, je me suis un peu renseigné, tranquille. J'ai compris qu'en gros, dans ce jeu, il y a une bombe qui tombe sur la ville et que tu dois récupérer un max de provisions pour survivre avec ta famille. Alors, on va commencer une toute nouvelle partie en classique. J'ai fait l'entraînement, donc je sais à peu près quoi faire. C'est parti, Apocalypse. Donc j'ai compris qu'il y avait plusieurs modes, donc je vais prendre facile parce qu'au moins voilà quand même. Donc temps d'exploration, j'aurai 20 secondes pour explorer, 60 secondes pour collecter. Le temps de collecte ça change pas, c'est 60 secondes tout le temps. L'approvisionnement c'est survivalise, ok je sais pas ce que ça veut dire. Valise remplie, super. Problème de santé rare, super. Équipement solide, nickel. Visiteur indésirable, peu. Et problème, très parfois. Ça me va très bien. Ok, on peut commencer dès maintenant. Ok, bon, apparemment je suis celui-là. Alors, ça a l'air d'être pas mal. Donc ma famille est là. Ah. What the... D'accord, ça commence bien. D'accord, je commence déjà à voler. Oh non. Non. Ok, donc on se retrouve. J'ai l'impression que c'est un peu plus imprévisionnel là, non? La valise, on m'a dit qu'elle était très importante. Et j'ai remarqué qu'on pouvait avoir un chien. Je me suis renseigné. Il me faudra la lampe, la hache, la trousse de soins et de la soupe. Alors j'ai commencé par l'une des choses les plus importantes depuis la survie du monde. Je dis n'importe quoi, voilà, j'improvise. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, voilà. Tu te calmes maintenant, Jean-Mi. On va récupérer ça. On va récupérer ça, tranquille. On va récupérer ma fifi qui a trop mangé la kefta. Voilà. Tac tac, nickel. Je récupère un max de trucs moi. Hop là. Oh, j'ai oublié le truc pour le chien. Oh là 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 là. Je suis vraiment très mal organisé. Hop là. Hop là. Oh, non. Ok, d'accord. On se calme, monsieur. Monsieur qui aime les kebabs, on se calme. Hop là, plus vite. Allez. Déjà, au moins, j'ai récupéré ma famille. Ça, c'est déjà bien. Ça, j'en ai besoin. La valise, il me faut la valise. Oh, je pars pas sans la valise. Et je pars pas sans la valise. Vite. Ok, j'ai la valise. Allez, on se casse. Oh, j'ai pas la trousse de soins. Oh, mon Dieu. Oh, j'ai pas la trousse de soins. Au moins, j'ai la radio. J'ai pas la trousse de soins. Jour 1. Alors. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait quelques défis pour... les petites tétettes, j'ai vu qu'on pouvait faire des défis pour changer les titres. Du coup, je vais vous dire, j'ai pas vos moitiés. Alors, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah, mais j'ai l'impression que c'est super rempli là. Bon, au niveau bouffe et l'eau, je suis pas ouf. Il me manque quoi? L'harmonica. Il me manque. Voyons voir. Bah, la bouffe. Et des munitions, si je me trompe pas. Alors, je dis ça après. Voilà. Alors, ouais, vu que je connais pas les touches, des fois j'appuie sur R1, ça me sert à... Voilà. Donc R2. Jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Et bah bof. Nous souvenons avoir placé quelques vivres à la va-vite dans l'abri, car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné, ça peut parfois se révéler utile. Bah c'est pas mal, j'ai trouvé du coup les cartes, le fusil et la trousse de soins. Yes! Regardez ce que nous avons trouvé dans la valise qui était dehors. On a bien fait de ne pas la déballer après nos vacances. Boy Scout et cadenas, c'est nickel. Franchement, c'est super. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Ok, je sens que la survie va être très très dure avec ces malades mentaux là qui commencent à parler aux boîtes. Hein, on va en parler déjà. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Alors. Moi, avec moi, c'est Ramadan surprise, ok?
Survivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ses rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Ok, j'ai pas compris, mais ok. Voilà, barbe. Alors, vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins elle ne le dit pas à voix haute. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage! Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Tout va bien pour Ted en cette merveilleuse journée. Tout c'est super. Alors j'ai un peu appris sur le jeu. Apparemment on leur donne à manger tous les. À boire hein, tous les 5 jours et à manger tous les 7 jours. Bah écoutez ce qu'on va faire. Notre ville est encore bien contaminée, si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie. Alors on va éviter de prendre du danger. C'est comme si ils ont montré qui commande ici. Alors moi je vais utiliser la carabine direct mon pote. La hache on la garde pour le chichi hein. Ouf. Ça tire. Ça l'a pas cassé, nickel. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque, il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Il faut donner à boire à Mary Jane? Non. Timmy a vraiment besoin d'eau? Non. De le rester obnubilé par sa soif? Non. Ted ne fera pas le long feu sans boire? Non. On attend le 5e jour. Allez. Notre ville est encore accompagnée. Ok, toujours la même chose. On va attendre. Si seulement on pouvait sortir et batifoler comme avant. Respirer la pollution et les fumées toxiques. Ah, c'était le bon vieux temps. J'avoue. C'était le bon vieux temps, ça. Ouais. Mec, faut se réveiller un peu. Alors, jour numéro 4. Tout se passe bien pour l'instant. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. J'avoue, ça c'est très bon, ça. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Je connais déjà cette expression-là. Il faut le pied dans la tombe. Bref. Donc, demain c'est à boire, les mecs, on se calme. Donc, toujours la même chose. La poubelle se remplit de boîtes de soupe et ça commence à déborder. Si on fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Le cafard n'était pas aussi gros qu'avant la guerre, si. On va utiliser le Boy Scout. Parce que pour l'instant, il va pas me être très utile. Franchement, je vais vous dire, je sais même pas à quoi va me servir. Hein. Donc, let's go. Jour numéro 5, personne n'est mort. Le Boy Scout, il va bien. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On espère qu'on aura plus affaire à elle. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver de l'eau, blablabla. Allez, Ted a déjà un pied dans la tombe. Aujourd'hui, alors attendez. Ok. Aujourd'hui, c'est de l'eau pour tout le monde. Allez, hop. La zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Alors, j'ai compris que tomber malade, c'est... Voilà. On a entendu parler d'un parachutage de ressources à la radio. Il devrait y avoir un lieu à proximité de la maison. Direct. Je réfléchis pas. J'ai pas de bouffe, j'ai pas d'eau. On y va. Tu fonces dans... Waouh. 2-2, ça va, c'est pas mal. La caisse que nous avons réussi à récupérer n'était pas très grande. Mais elle contient tout de même des ressources qui nous seront bien utiles. Nous étions contents d'y trouver de l'eau et quelques conserves. Nous avons d'abord cru que c'était du pâté, mais non, ce n'était que de la soupe de tomates. Cette histoire de soupe commence à sentir le complot tomatesque à planer. N'importe quoi. Alors eux, les jeux de mots, faut qu'ils se calment. Hein. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Pour Timmy, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Super. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Bah c'est nickel, tout va bien. Demain, c'est bouffe pour tout le monde. Donc on a compris, on va tout le monde là, on sort. C'est difficile de ne pas perdre la notion du temps ici-bas. Mais c'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui. Il grandit si vite, on devrait lui offrir quelque chose pour ses... Quel âge il a déjà? J'avoue, il a quel âge, le pauvre? Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors, déjà, c'est mort, ça. Alors, je dirais ça. Je dirais le Boy Scout, parce qu'il a une tête à être scout, lui. Allez, on va lui donner le Boy Scout. J'espère qu'il sera content. Ah, ça toque. Ça toque. Après cet apocalypse, difficile de savoir si Timmy tiendra un scout digne de ce nom un jour. Mais l'ennemi annuel du petit scout est une arme de destruction massive contre les araignées entre ses mains. Il s'amuse comme un fou. Alors, aujourd'hui, c'est bouffe pour tout le monde, comme on avait dit. Tout le monde commence à avoir faim. Tac-la. Encore radioactif, on n'y va pas.
Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteurs. Ils prétendaient être un hôpital ambulant. Ils se déplaçaient d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. Ils ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Alors, trousse de secours, c'est mort. Alors, de l'eau? Alors, ça dépend. J'ai combien d'eau? 5 bouteilles. Je pourrais tenir 25 jours avec ça. Dans les 25 jours... Non, à un moment, la radioactivité elle va finir par partir. Je pourrais récupérer de l'eau. Donc, je veux bien leur passer. Ils ont intérêt à nous faire sortir de ce trou à rats. Alors, jour numéro 8. Du coup, on a perdu. Voilà. Faute de désinfectant, nous n'avons pas pu leur fournir qu'une bouteille d'eau plus ou moins propre. Les habitants ont apprécié l'effort. Merci beaucoup. Dans 2 jours, on boit. Alors, s'hydrater là, on se calme un petit peu. On n'est pas en canicule, hein. Donc, ce quartier est toujours radioactif. Une exposition là-dedans peut être prématurée. Non, merci. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. Waouh. On a été on a été pris de court. Eh ben, mec, personne ne savait, hein. Merci beaucoup. Allez, jour numéro 9. Si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette information. Je crois que ça a été très utile pour moi. Sinon, si on continuait. Hein. Donc, on ne sort pas maintenant. Qui cru qu'en ces temps post-apocalyptique, on est encore la tête à se disputer pour des banalités. Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs, il en faut peu pour que ça dégénère, voire qu'on sorte les poignards. Ok. Alors je dirais que le papa s'est bagarré avec la fille pour la kefta, hein. Ah, ça sonne. Qui a ramené son téléphone? Cette dispute nous a tourmenté toute la nuit, pourvu que ça ne se reproduise plus. Ouais, pourvu. Donc jour 10, ça fait 5 jours. On boit. Alors, on pense vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue y a survécu, et ce, dans ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour répondre. Vas-y, l'homme de la maison, il y va. Alors, j'espère qu'il n'est pas revenu malade, sinon il va nous ramener le corona. C'est bon. Quand on a décroché, une personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hyde Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Donc Ted est bien en train de son expédition, tout va bien. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Wow, super encouragement. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force, il se porte bien. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted va bien. Ok, c'est cool. Jour 11, ce sera jour 14 que je leur donne la bouffe. Et ce sera jour 15 que je leur donne à boire. Donc, on va attendre un peu. Alors, la zone est encore radioactive, on va la laisser tomber. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui le critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. Oh, bande de bâtards. Nous sommes de bons Américains. Non, moi je suis un bon Français, tu vas faire quoi? Nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois où... Non, rien. Enfin, l'oncle Sam volera forcément notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût des signes de leur part. Bonne idée, allumons la radio. Alors, on écoute. Alors, on est soit en 2020, soit en 1918, où c'est le morse qui parle. Hein. Ah, le bruit. Ah, merci. Je disais, on est soit en 2020, soit en 1918, où c'est le morse qu'on utilise pour parler, hein. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissez notre radio allumée. Alors, rien de nouveau pour Timmy, tout a l'air d'aller pour Dolores, tout va bien. Nickel. Alors, j'ai entendu que ça toquait. Voilà. On était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. C'était un groupe de réfugiés en piteux état. Ils voulaient savoir si on avait de la nourriture, de l'eau ou au moins quelques bandages pour soigner leurs blessures. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus, moi? Allô, voilà. Voyons voir. La bouffe, j'en ai 4. Vas-y, je vais leur donner de la bouffe, parce que ça se fait pas.
Attends, c'est quoi pour bouffe? C'est ça. Nickel, on peut y aller. Alors, jour numéro 13. Let's go. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville. Pourvu qu'ils s'en sortent. Perdu une soupe, c'est pas grave. Mary Jane est affamée et la déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Franchement, je leur donnerai à bouffer et à boire plus tard, comme on avait dit. Toujours radioactif, on va pas prendre le risque. J'ai oublié de lire. Super. Jour 14, jour de bouffe. J'ai cru que l'âme mourrait, mais c'est bon. Ensuite, on a compris, c'est l'heure de la bouffe. J'hésite à aller. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. Ah, c'est vrai ça. On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en haut de l'affiche. Mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego. La célébrité nous était déjà montée à la tête. Ok, super. Machin là. Donc, notre quartier toujours radioactif. On va tenter l'expédition, vous savez quoi? On prend le masque à gaz et on se casse. Allez. Et on se barre, c'est pas grave. Il faut de la bouffe et de l'eau. Donc jour 15, jour pour boire là. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? On a voulu dessiner une marelle, mais on n'avait pas de place. On avait de place que pour une case. On a abandonné le projet. Ah les pauvres, ils vont devoir abandonner beaucoup de projets. Alors, jour de l'eau. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Alors j'ai entendu dire que Timmy était le meilleur pour les expéditions, du coup je vais le donner, voyons voir. Déjà, je connais déjà à chaque objet à quoi il sert. Donc la valise. Ensuite, je vais lui donner donc le masque à gaz. La carte pour qu'il revienne plus vite. Et c'est bon, ça ira. Tu me casses un seul truc, je te renvoie dehors les ramener, d'accord Timmy? Ok, je cède. Timmy est sorti de l'abri. Alors attendez. Aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Pas mal ça. Timmy sorti de l'abri, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? C'est vrai que voilà. Alors, jour 16, c'est rien. On verra plus tard. Aujourd'hui, Mary Jane a été minette comme une carpe. Ça ne lui ressemble pas. Il faudrait lui parler. J'avoue. Franchement, quel mec dirait non à lui parler? C'est vraiment, voilà. Le meilleur moyen de la tuer, c'est de ne pas lui parler et tout. Qu'elle finisse en dépression morale. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude. Rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Ah, d'accord. On va parler au mur maintenant. Ah, ce mec, en fait, c'est votre pote, hein. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Alors, on va un peu enchaîner parce que là, la vidéo risque de mettre beaucoup de temps. Je connais ça, en fait, c'est un chat, en fait. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite. Il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Alors déjà, niveau bouffe, je suis vraiment très mal. Alors si je dois ensuite échanger contre un mystérieux sac, ça se trouve bien le corona là-dedans. Non merci, ça ira. Ok les mecs, alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Mettez un max de likes si vous voulez une suite. Je vous dis à la prochaine et ciao.